yourself back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment envoyer des commentaires à Google pour améliorer notre Google Home. Pour ceci, il existe deux techniques. La première technique est tout simplement de demander à notre Google Home d'envoyer un commentaire. Aucun problème. Dites-moi ce qu'il faudrait améliorer. J'aimerais avoir la lecture des mails et la lecture des livres audio sur mon Google Home. D'accord. Merci pour vos commentaires. Voilà, donc, plus on sera à mettre des commentaires positifs pour certaines améliorations, et certainement, plus Google va nous écouter et va essayer d'améliorer le Google Home avec cette technique. La deuxième technique va consister d'aller dans l'application Google, d'ouvrir le petit panneau qui se trouve en haut à gauche, le petit panneau menu. Ici, on va tout de suite y aller. Voilà donc, tout simplement, vous allez sur votre smartphone ou l'iPhone ou sur un smartphone sous Android et on va aller sur l'application Google Home. Une fois que vous avez ouvert votre application, tout en haut à gauche se trouve le bouton Ouvrir le menu. On ouvre ce menu. Commentaire. Et lorsque vous allez tout en bas du menu, vous avez une sélection commentaire. Vous rentrez dedans. Précédent. Bouton. Je vous montre ce petit tutoriel car l'application est accessible. Il faut en profiter. Il faut que l'on puisse demander à Google certaines choses qu'on désire voir apparaître dans le Google Home pour les personnes en situation de handicap. Et ça peut être vraiment génial pour nous. Si nous sommes plusieurs à demander, peut-être que Google va nous entendre. Donc ici, on a ouvert la section commentaires. Chromecast Ultra. Alors, on peut avoir des commentaires pour le Chromecast Ultra. Chromecast Audio. Google Home. Et Google Home. Ici, je vais aller dans Google Home. Précédent. Ici, donc, je suis rentré dans Google Home. Et voici les différentes étapes pour mettre un commentaire. Laisser un avis. Précédent. Laisser un avis. En tête. Envoyer. Désactiver. 2. Décrivez un problème ou partagez vos idées. Champ de texte. Capture d'écran. Afficher. Bouton. Sélectionner. Capture d'écran, inclure avec le rapport de commentaire. Alors, on peut inclure une capture d'écran avec notre commentaire pour justifier de notre demande ou du reproche que l'on peut faire à notre Google Home. Journaux système, affiché. Voilà donc, dans cette petite vidéo, elle est très courte, mais je voulais donc vous faire partager. On a donc les moyens d'envoyer des commentaires simplement avec le Google Home par la voix ou on peut envoyer des commentaires directement à partir de l'application. Profitez-en, faites vos demandes. Plus il y aura de demandes dans le même sens, plus Google nous écoutera. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en section sous la vidéo. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Pensez à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à liker et à partager avec vos amis. À bientôt pour la prochaine. Salut à tous.